Le 14 février de chaque année, c'est la fête de Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui, exploration de l'amour et des traditions de la Saint-Valentin. Bonjour les amoureux. Merci d'être avec BL Images. Je suis Dorcas Ngoma. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'amour. Car c'est la fête de Saint-Valentin. Cette fête des amoureux est célébrée chaque année le 14 février. C'est le moment idéal pour exprimer ses sentiments et faire plaisir à l'être aimé. On ouvre des cadeaux, des chocolats, des fleurs, on dîne au restaurant, on s'échange des mots doux. La fête de Saint-Valentin est devenue une fête commerciale. Quelques jours avant, les magasins séparent des gros cœurs. Les publicités vantent les bijoux. Les affiches célébrent l'amour. Plusieurs les jeunes racontent les origines de cette fête. Par exemple, c'est du prêtre Valentin qui célébrait le mariage des soldats romains malgré les interdictions. Au Moyen Âge, on pensait que les oiseaux choisissaient leur partenaire le 14 février, ce qui a donné l'habitude aux jeunes de envoyer des billets doux. Au 19e siècle, les cartes de Saint-Valentin étaient ornées de cœurs, des dentelles, des fleurs. Aujourd'hui, elles arborent souvent des gros cœurs rouges. Question. Est-il vrai que la fête de Saint-Valentin est célébrée partout dans le monde? Certains pays ont adopté tandis que d'autres ont leur propre fête, comme le jour des amoureux au Brésil, le 12 juin. Les traditions varient également en Amérique du Nord, où adultes et enfants envoyaient de nombreuses cartes d'amour et d'amitié. Question. As-tu déjà inspiré pour offrir un cadeau à ton partenaire? Abonnez-vous à BL Images et restez connecté pour le prochain numéro. Je suis Dorcas Ngoma. Bye et à la prochaine.